à tous. Aujourd'hui, mon invité est né le 22 janvier 1943 à Paris. Il est compositeur, multi-instrumentiste. Il a participé à ce mouvement du rock progressif, du jazz fusion, à partir de la fin des années 1960 avec le groupe Gong. Il est également connu pour être l'un des artisans et des principaux créateurs du style ethno-jazz avec son groupe Hadouk Trio, avec lequel il joue depuis 1996. J'ai l'honneur de recevoir, bien sûr, Didier Malherbe. Didier, bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va, tout se passe bien? Ouais, impeccable, impeccable. Bon, très bien. On peut dire par les temps qui courent. Exactement, on ne va pas être difficile par les temps qui courent. Le principal, qu'on puisse communiquer à distance, tel qu'on le fait maintenant. Didier, ma première question est bien sûr de savoir quel était le premier disque de jazz que tu as entendu. Alors, c'est un disque qui m'a décidé à jouer d'un instrument de musique. Il s'agissait de Bird and Dids, un 25 cm en vinyle, naturellement, de Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, Buddy Rich et Curly Russell. Voilà, ce disque. Ouais. D'ailleurs, il y a un morceau qui s'appelle Bloom Dido. Dans ce tout à fait. Avec Gong, on a tous décidé de prendre des pseudos. J'ai pris ce pseudo, Bloom Dido. Et ils ont rajouté, mes amis anglais, anglo-saxons, ont rajouté Batte de Grâce, parce que Batte de Grâce, c'est Malherbe en anglais. Voilà. Alors donc, dans les disques de Gong, eh ben, on verra mon nom, mais on verra surtout le nom de Bloom Dido, Batte de Grâce. Alors, est-ce que quand tu as entendu ce disque formidable, Bird and Dids, c'est ce qui t'a donné vraiment envie de faire ce métier? Absolument. Oui. Alors, je précise une chose. En fait, je voulais jouer de la trompette parce que j'étais fasciné par l'humour et le style inimitable de Dizzy. Et donc, j'avais loué un cornet à piston et je n'aimais pas l'objet. Ça sentait l'huile, il y avait que trois pistons, ça faisait mal aux lèvres et tout. Donc j'ai abandonné la trompette au bout d'un mois et j'ai loué un saxo alto. Et donc j'ai continué avec l'étude du saxophone. Tu as fait tes débuts d'études de saxophone dans les classes de Jacques Desloges, qui avait fait ses classes lui avec le saxophoniste Marcel Mulle. Qu'est-ce que tu retiens de ces années d'apprentissage du saxo avec ce professeur? Ben écoute, celui qui m'a tout appris, hein, aussi bien le solfège que la technique du saxophone, et aussi quelques éléments d'harmonie pour pouvoir improviser. On n'avait pas grand-chose, on avait du point de vue disque d'accompagnement, j'en avais deux. Il y en avait un vers Henri Renault, où il y avait des On the Sunny Side of the Street et d'autres The Man I Love et d'autres standards. Et donc, parce que c'est important, la liste d'accompagnement. Donc, il m'apprenait un petit peu l'harmonie en fonction de cela. Et mon deuxième disque d'accompagnement, c'était un disque américain que j'avais reçu des États-Unis, mais il n'y avait pas encore de Abyssold et de choses comme ça très performantes. C'était les deux seuls que je pouvais avoir. Et donc, j'ai étudié la lecture et le saxophone avec Jacques Desloges pendant 2-3 ans, peut-être 3 ans avant que je commence à jouer avec des amis, à participer à des jam sessions. Donc, une formation assez académique, assez oui, classique au final. Est-ce que ce professeur, donc Jacques Desloges, était réticent au jazz quand tu lui parlais des non, disques que tu écoutais, ou est-ce qu'il était assez ouvert justement? Très ouvert, oui. Il était encore, Jacques Desloges était encore étudiant au conservatoire, en fin de cycle. Et après, je dois préciser que Jacques Desloges a joint l'orchestre de la garde républicaine, d'abord en tant que saxophoniste, et ensuite il est devenu chef d'orchestre de l'orchestre de la garde républicaine. Et il se trouve que je ne l'ai pas vu après pendant des années. Et il y a 2 ans, il est venu, je l'ai rencontré, j'ai donné un concert avec Jean-François Zigel, oui, dans la ville du Mans. Et après, on était à une table
pour vendre nos disques et faire des signatures. Et je signe un disque à Jacques Deloche, voilà, et je lui demande le nom. Il me dit Jacques Deloche. Il ne s'est pas Ah présenté. Je dis, oui. alors évidemment, j'ai sursauté et je lui ai fait une dédicace et on a commencé à parler. Évidemment, je ne l'avais pas vu depuis tout ce temps. Ah oui, c'était une belle rencontre de nouveau depuis tout ce temps écoulé, ouais, Exact. effectivement. Voilà. Rapidement, Didier, tu as commencé à fréquenter les clubs de jazz au Chat qui Pêche. Tout de suite, tu as Oui. voulu voir du jazz en live. Tu as dû rencontrer quand même beaucoup de musiciens, notamment un contrebassiste qui s'appelle Albi Culaz. Bien sûr, Albi Culaz, c'est un excellent ami. J'ai une photo aussi qui a été publiée dans le livre de Serge Loupien, qui est paru sur les années psychédéliques. Et une photo où on me voit au Chat qui Pêche en train de jouer du ténor avec Jacques Tolo à la batterie. Jean-François Jenny Clark à la basse, un trompette qui s'appelait Popsy Bourguignon et Eddie Lewis qui jouait du bugle ce soir-là. Du bugle et pas de l'orgue. Donc c'était Oui, très je très jouais du avant-gardiste bugle ce déjà, hein, soir-là. très avant-gardiste. La preuve est sur la photo. Et donc, voilà ce qui s'est passé. Le tout premier boeuf auquel j'ai participé, c'était au caveau de la montagne, sur la montagne Sainte-Geneviève, avec un vibraphoniste qui avait un groupe et qui s'appelle Robert Torrey. D'accord. Et c'était mon tout premier, et ça m'a encouragé. Mon C'était en quelle deuxième, année ça, Didier? pardon, c'était en quelle année? Oui. Plus ou moins. C'était avant ton voyage en Inde? Oui, c'était en 60, je crois. Et ça, c'était ton tout premier Oui, bœuf en tant que premier bœuf. musicien? Et le D'accord. deuxième bœuf, donc j'étais encouragé, etc. Donc mon deuxième bœuf, c'était au Chat qui Pêche. Et il se trouve que dans cette formation qui faisait le bœuf là, le saxophoniste, dont je ne me rappelle plus le nom, m'a dit, bah, écoute, je dois quitter Paris, je dois retourner à Nice, etc. Est-ce que tu veux prendre ma place? Donc j'avais droit à avoir la place de saxophoniste honorifique. On gagnait un mini, mini, mini cachet. On jouait le vendredi soir, le dimanche après-midi. Enfin, on jouait le vendredi et le dimanche. Et le samedi, il y avait des pointures. Il y avait Jackie McLean ou. Oui, tu as dû voir beaucoup de musiciens Oui, j'ai américains vu dans ces beaucoup de années-là, ouais. musiciens, Ouais. bien sûr, oui, bien sûr. Don Cherry, Ah. etc. La batterie, il y avait souvent Aldo Romano, voilà, J.F. Jenny Clark était là aussi assez fréquemment. Et Albi Culaz, naturellement, avec qui j'ai joué dans d'autres formations, parce qu'on jouait aussi dans des jams, quoi, qui avaient lieu chez des amis, chez des gens, voilà. Est-ce qu'il reste des enregistrements de tes premiers bœufs comme ça, tu penses? Non. Non, malheureusement, on n'aura pas d'enregistrement phonographique. Non, non. D'accord. En 1961, donc un peu de temps après, tu décides de partir en Inde. Je voudrais savoir qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce voyage initiatique de toutes ces cultures musicales que tu as découvertes et fait partager par la suite. Il y avait plusieurs éléments. D'abord, j'étais en classe de philo, et en classe de philo, les perspective n'était pas très optimiste. J'avais un professeur qui pensait que la philosophie, de toute façon, était une vieille chose et il ne servait que pour aider la science. Voilà, alors la philosophie, puis, il était branché existentialisme aussi, Heidegger, c'est des choses qui me paraissaient assez négatives, qui n'avaient pas beaucoup d'espoir, d'espérance. Hein. Mon prof de philo, en plus, était assez désespéré lui-même. Et un jour, on m'a offert un livre de Vivekananda qui s'appelait Jnana Yoga. Et j'ai lu ce livre et je me suis dit, oh là là, mais là, il y a une possibilité, parce qu'évidemment, à cet âge-là, on se pose des questions métaphysiques. Voilà, il y avait une sorte de réponse, ou disons d'espérance de réponse dans ce livre, ce qui m'a branché dans la philosophie indienne. Et à ce moment-là, il se trouve que j'ai regardé une émission à la télévision d'Arnaud Desjardins, qui est un type qui a écrit pas mal de livres et qui a fait une très belle émission sur les gourous,
qui existait à ce moment-là en Inde. Et après mon bac, donc, j'ai obtenu un tout petit crédit de mes parents et je suis parti en Inde tout seul, avec mon petit sac, évidemment, pour que vous voulez rencontrer des grands gourous et obtenir la libération. Naturellement, si chic, et également la musique m'a branché parce qu'on écoutait Ravi Shankar, Vilayat Khan, Ali Akbar Khan, tout ce qu'on pouvait écouter. Et la musique indienne m'a énormément plu aussi. C'est de là qu'est né cet amour pour les instruments traditionnels. Oui, alors ce qui se passe, c'est que je n'ai pas voulu emmener mon saxophone ténor dans ce voyage en Inde. Parce que c'était trop lourd. Et il se trouve qu'à Madras, j'ai procuré une petite flûte en bambou du Sud, avec 10 trous, hein, la flûte, le bansuri du Sud, et que j'ai toujours, hein, après 1961, voilà, je l'ai toujours cette flûte. Et je me suis intéressé à la musique indienne, mais je ne l'ai pas fait comme certains Français ou Américains ou d'autres à me passionner complètement pour la musique indienne au point de suivre vraiment l'enseignement total de comme on fait en Inde. Mais quand je suis revenu à Paris, eh bien, j'ai pris des cours de flûte parce que comme j'avais commencé avec la flûte bambou, je me suis intéressé à la flûte. Donc, j'ai pris des cours de flûte classique avec un grand flûtiste qui s'appelait René Leroy, qui avait été un grand flûtiste qui avait fait des créations de Debussy à l'époque, qui était retraité du conservatoire. Et donc, j'ai suivi des cours avec lui voilà, pendant 2 ans peut-être. Oui. Tu parlais tout à l'heure de la découverte de la musique indienne à la flûte dans le sud de l'Inde. Moi, j'ai vu un concert d'un flûtiste du nord de l'Inde il y a quelques années à l'espace Julien à Marseille. C'est Hari Prasad Chaurasia, grand maître du raga. Oui. C'était un concert qui m'a pas mal marqué. Parce que dans ces ragas, il y a quand même un pont avec le jazz dans ces grandes improvisations qui donnent une liberté. Oui, oui. Peut-être plus encore chez Hari Prasad que d'autres. Effectivement, le jazz fan y trouve son compte. Il y a dans l'improvisation, évidemment, c'est pas pareil. On n'improvise pas sur des accords, sur des suites d'accords. On improvise sur des modes tout en développant un mode selon des structures préétablies. Mais c'est quand même aussi vraiment basé sur l'improvisation. Et bien que le tempo, la fonction rythmique soit quand même très différente de ce qu'on peut appeler le swing, il y a une virtuosité de percussion et de rythmique tellement folle qu'on y trouve tout à fait notre compte, même s'il n'y a pas exactement le swing de jazz. Et Hari Prasad Chaurasia, qui est même un des plus grands flûtistes, à l'époque il y avait aussi Panalal Ghosh. Mmh. Un très très grand flûtiste, peut-être moins de jazz, plus méditatif comme ça, mais c'était un très grand flûtiste. Et dans le sud, il y avait ce personnage incroyable qui s'appelait Mahalingam. D'accord. Qui était aussi un flûtiste absolument vénéré comme un dieu là-bas. Enfin, voilà. Et donc, évidemment, j'étais très, très impressionné, très influencé par ces musiciens, ouais. Quand je suis revenu et que j'ai étudié la flûte classique, après quoi j'ai été faire un tour, j'ai été faire un deuxième tour en Inde, à vrai dire, par la route, parce qu'un ami m'a invité à aller dans sa Land Rover et on a fait le voyage en Inde par la route. C'était en 63. Ok. Voilà. D'accord. Et donc, tu as découvert la musique modale en Inde, tu reviens pour un deuxième séjour en Inde en 63. Peu de temps après, sort The Love Supreme de John Coltrane. Oui. On peut dire que c'est l'un des premiers à vouloir faire ce métissage des musiques traditionnelles avec le jazz qui s'ouvre de plus en plus vers le free jazz. Comment tu as reçu cette musique à l'époque de Coltrane? Oh ben écoute, tous les saxophonistes qui venaient jouer au Chakipesh étaient influencés de John Coltrane, moi un peu comme les autres, mais il y en avait qui jouaient très très bien Coltrane, comme François Janot, oui. Ou également Arrigo Lorenzi.
qui était celui qui était le plus coltranien, un grand saxophoniste qui était aussi dentiste. Donc il a plutôt suivi cette carrière de dentiste. Mais il y a quelques années, Christian Vander, dont tu connais l'admiration pour Pour Johnny, l'a Coltrane, engagé dans certains disques et il est toujours très bon. Arrigo Lorenzi, c'est un nom d'accord, ouais. Et quant à moi, je jouais toujours du ténor, hein, du sax ténor et de la flûte, donc, parce que j'étais influencé par Coltrane, Rollins, hein, comme les gens avaient. J'avais un faible aussi pour Johnny Griffin. Ah, Parce que Little Giant, les disques avec Monk, là, Mysterioso, au Café Bohémia et tout ça. Magnifique, Je trouvais que c'était un saxophoniste qui m'impressionnait. Il avait une certaine humour dans son phrasé. Voilà, c'est ça qui me plaît. C'est peut-être le plus. c'est vrai, c'est Il vrai. avait Et une puis un certaine grand humour dans maître de son. son instrument, virtuose du ténor, hein. Oui, virtuose, très, très rapide. Complètement, Il envoyait beaucoup de notes, il faut dire. Et alors, un soir, je joue donc au Chat qui pêche. Ça me remet un petit peu en arrière par rapport à toute cette jam du Chat qui pêche. On a vu débouler un noir américain habillé en cuir noir avec des chaînes, et il a sorti d'une housse en cuir merveilleuse comme on faisait à New York, et tous les saxophonistes de Paris les enviaient. Il a sorti un saxophone et il a joué de folie, qui a divisé complètement l'assistance entre ceux qui détestaient et ceux qui aimaient. Il s'agissait d'Albert Ayler. Ah, tu as rencontré Albert Ayler qui Oui, était passé à Albert Paris à ce moment-là? est venu, il était GI, et il est venu au Chat qui pêche faire un jeu, et comme je t'ai dit, le public était divisé entre une admiration et une horreur. Tu sais que l'un Albert des musiciens qui admirait le plus Albert Ayler, c'était Sidney Bechet. En fait, il adorait le jazz New Orleans. Ah oui. Ouais, comme quoi les influences sont parfois très différentes du jazz qu'ont pu développer tous ces musiciens créateurs de ces années-là. Donc le free jazz est venu, évidemment ça m'a beaucoup intéressé, mais moi j'étais plutôt partisan d'un free jazz, disons, moins violent, moins brut, moins art brut que des gens comme Albert Ayler. J'ai toujours été très intéressé par l'improvisation et l'improvisation collective, naturellement, mais il ne s'agissait pas d'effrayer, quoi. C'était, disons, constructive. On essayait parce que l'improvisation et la composition ont la même origine, donc il y a des phrases qui viennent, des notes qui se pointent, et on essaye de faire une chose, enfin, c'est toujours du free, donc c'est pas vraiment très rationnel, mais on essaye quand même de faire des choses qui représentent quelque chose, et tout ça, c'était moi. Alors que dans le free jazz à ce moment-là, il y avait un côté politique aussi. Oui, Un et côté Black puis. Panther, c'est un côté où il fallait justement manifester une certaine violence. Donc, tu as quand même. Tes racines sont plongées vraiment dans le bebop, dans le jazz des années Dans le 50. Et, bebop et ensuite ouais. dans le free jazz, oui. Et celui qui a fait cette transition entre un free jazz vraiment libéré à la Albert Ayler, c'est Ornette Coleman avec The Shape of Jazz Oui. to Come. On retrouve quand même Oui. une harmonie, une construction Oui. bebop et qui s'émancipe dans les choruses à travers un jeu plus aérien, on va dire, mais qui reste quand même très très swing au final. Oui, puis avec de très beaux thèmes aussi. Avec de très beaux thèmes, ouais. Oui, évidemment. Et Don Cherry, je l'ai rencontré par la suite. Je l'ai rencontré par la suite quand j'étais avec Gong. Il est venu à Montaulieu, dans la Drôme, où nous étions en répétition avec Gong. Et il est venu, Don Cherry, jouait beaucoup des tablas et il était formidable. J'ai beaucoup d'admiration et d'amitié pour lui. Alors, je voulais t'interroger un peu plus tard sur Don Cherry, mais puisque tu me tends la perche, justement, Don Cherry, ça a été celui quand même qui a été l'un des premiers à mettre le pied à l'étrier à l'ethno-jazz. Il y a des albums, moi, qui m'ont marqué de Don Cherry, c'est surtout Codona, les albums qu'il a fait, Oui, Codona avec bien sûr, Tanabas oui, Codona, Conoceslos. ah oui, Est-ce c'est que ce sont formidable. des disques que tu as beaucoup écoutés à une époque? Oui, absolument, Codona, oui. Je l'ai vu d'ailleurs sur scène. Je l'ai vu sur scène au Rex,
à Paris, là, dans le caveau, là, de, enfin, le caveau, le club, le Rex Club, avec Colin Wolcott à la guitare. Et puis, évidemment, Yann, comment, le joueur de hautbois, là, Yann, comment il s'appelait encore? Alors, il y avait Nana Vasconcelos qui était au berimbau. Ah, Nana Vasconcelos, bien sûr. Également, percussion. Oui. Colin Wolcott, qui est malheureusement décédé dans un accident de car. Et puis le grand joueur de hautbois, là, comment il s'appelle encore? Il y a. Oh. Alors, moi, je connaissais en trio, hein, Codona. Je ne savais pas qu'il y avait un quatrième intervenant également. Ah oui? Oui, oui, il avait ce joueur de hautbois extraordinaire. Et voilà. Donc, Didier, en 69, tu commences ta participation dans le groupe de Gong. Je trouve que dans les compositions de Gong, tu y as distillé une originalité de la musique issue de la musique indienne, dans le sens où on retrouve une musique cyclique. C'est-à-dire que dans une seule et même composition de Gong, on va retrouver des compositions dans une composition au final. C'est quelque chose que tu avais voulu appliquer à travers l'influence de la musique indienne ? Sans doute, mais c'était vraiment infusé, c'était pas une décision, on répétait, on improvisait beaucoup avec Gong, il y avait des bases quand même des chansons de David Allen, qui avait juste quitté Soft Machine, et j'étais très impressionné par Soft Machine. En fait, j'ai connu David Allen le lendemain du soir où j'ai écouté Soft Machine au Palais des Sports. Ah oui. Concert en trio, hein. Il y avait Kevin Ayers et Robert Wyatt et Mike Rutledge. Et le concert s'appelait La Fenêtre Rose. La Fenêtre Rose, c'était le premier concert psychédélique en France, c'était en 67. Et bien, ouais. Voilà, et bien j'étais là, et le lendemain, c'est une coïncidence incroyable, je rencontre David Allen, quelqu'un me présente David Allen. C'était un acteur du Living Theatre. Mm-hmm. Hans, quelque chose, il m'a présenté David Allen sur le boulevard Saint-Germain. Je me souviens, on est parti à Boulogne. Tu sais, il y a un terrain de camping là à Paris, à Boulogne, et il y avait une roulotte là qui appartenait à des Américains. Et on a buffé toute la nuit. Là, je lui ai entendu dire toutes ces histoires de Planète Gong, de Potted Pixie, de d'Octave Doctors, de Submarine Captain. Ouais. Et tout ça, j'étais très. Très fasciné, et en même temps les chansons de David, sa voix et son côté harmonique très particulier m'ont beaucoup plu, et ça c'était donc la première amorce du groupe Gong, quoi. Après quoi je me suis retrouvé dans l'été 68 à Deia sur Mallorca, qui était un village où il y avait beaucoup d'artistes un peu du monde entier. Robert Graves était le premier à être venu là, ce grand érudit d'Oxford, là, Robert Graves, qui a écrit The White Goddess. D'accord. Et entre autres livres. Et il y avait beaucoup de musiciens, enfin, Robert et Kevin étaient passés là aussi, et j'ai passé des temps extraordinaires là. C'était un été fabuleux, l'été après mai 68, quoi. C'était un été fabuleux. Et là, David habitait là, et donc David Allen, et aussi Gilly Smythe qui habitait également là. Et donc, on a préparé le gong qui a commencé après. Donc. Oui, et j'ai même lu que quelques années auparavant, tu étais l'un des premiers à vouloir électrifier le saxophone. C'est toi qui as expérimenté ça. Tu peux nous en parler un peu? À vrai dire, il y avait le premier. C'était Selmer qui avait fait une pastille. Un premier micro qu'on mettait sur le bocal du saxophone, qui avait un son pas très joli, mais enfin c'était une première tentative. Et j'ai rencontré avec Gong, on est habité en France, hein, d'abord en Normandie, d'où l'idée du camembert électrique. on habitait après à Montaulieu dans la Drôme dont je t'ai parlé. Ensuite, nous avons été invités au festival de Glastonbury. Mmh. Et ce festival, où il y a maintenant, enfin, les années qui ont précédé cette année, il y avait 200 000, 300 000 personnes. Enfin, c'est devenu un immense festival. À l'époque, il y avait 5 000 personnes. Ouais. Autour de 5 000 personnes, mais tous extrêmement branchés. Et donc, c'est là que
on a joué avec Gong, avec Pete Pyle à la batterie, Mike Ouellet à la basse, et Richard Branson, le patron de Virgin, a beaucoup flashé sur ce concert. Effectivement, on a eu pas Ah mal de oui. succès, et il nous a invité, le groupe Gong, donc, à venir nous installer en Angleterre. Et quand je suis sorti de scène, Soft Machine venait de jouer, et j'ai rencontré Elton Dean. Et Elton Dean, qui est devenu un très très bon ami, m'a conseillé de voir son technicien qui s'appelait Mr. Tootle, qui était l'inventeur du Tootle Bug. Alors, ce micro Selmer dont on parlait a été nettement amélioré par les machines de Tootle Bug, qui étaient des harmoniseurs, etc. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé mon utilisation de sax électrique avec après des wah-wah et des effets, voilà. J'ai lu également que dans le début de Gong, il y avait le contrebassiste Bart Phillips qui avait joué avec vous. Bart Phillips qui vit dans le sud de la Et bien France. justement, Bart Phillips était venu à Montaulieu avec Don Cherry. Et D'accord. oui, il était venu là à Montaulieu avec Don Cherry, on avait buffé ensemble. Et Stu Martin était le batteur qui jouait avec eux. Il jouait en trio avec Stu Martin à ce moment-là. Vous avez dû faire des buffs incroyables avec Don Cherry, comme ça, en plus, à Absolument. l'époque, là. On a des souvenirs émus. Surtout que vous étiez quoi, dans une grande ferme, dans un corps de ferme, que vous étiez Oui, on installé? était dans une ancienne bergerie. Une ancienne bergerie, Oui, dans une les... grande, grande bergerie parce que notre manager, qui s'appelle Bob Benamou, possédait cette bergerie et de quelques maisons à Montaulieu. Voilà. C'est de là que sont sorties la plupart des compositions des albums Gong, j'imagine. Vous les composiez dans ce logis? Oui, en partie, bien sûr, comme on Ouais. habitait en communauté. Hein. On Ouais. habitait aussi le reste de l'année, on habitait près de Sens, dans un village qui s'appelait Voisine, et on habitait en communauté là pendant longtemps. Ensuite, Virgin nous a fait venir en Angleterre, on habitait près d'Oxford, toujours dans une maison, une ferme qu'ils avaient louée pour l'occasion. C'était un groupe communautaire, on répétait pas mal, on jouait, on cherchait. La base de Gong, c'était quand même les chansons de David. Vous savez, comme il aimait le jazz, on était beaucoup aussi amenés à faire des compositions, garder les improvisations qu'on aimait, refaçonner et créer la musique de Gong, voilà, qui était une sorte de curieux mélange entre les chansons de David, un aspect, c'est vrai, assez orientalisant. Et puis, évidemment, la planète Gong et toute sa fantaisie. Alors Didier, à partir de 1975, à partir du disque Chamal, il y a quand même un moment où les compositions sont moins tirées du rock psychédélique et du rock progressif pour aller plus vers le jazz avec des compositions un peu plus similaires à Weather Report, aux compositions de Jean-Luc Ponty par exemple. Je voudrais savoir dans le groupe de Gong si c'était difficile d'orienter vers tel ou tel style musical avec tous les membres qui participaient au groupe pour donner une orientation musicale, comment vous faisiez par exemple? Alors, comme je disais avant, c'est le the brew, enfin la recette, disons, pour Gong était basée pas mal sur les chants de David, sur les recherches vocales de Ginny Smyth, et aussi sur l'apport de Tim Blake, qui a amené ses synthétiseurs. Hein, c'était au tout début des synthés, et c'est certain que pour une chose un peu science-fiction comme l'histoire de Planète Gong, tout ça, le bruitage de ces synthés était tout à fait bienvenu. Hein. Et c'est comme ça qu'on a fait les disques de Gong, Angel's Egg, Flying Teapot, et ensuite You, qui est peut-être le meilleur. Et ensuite, il s'est trouvé que David Allen est parti. Voilà, un peu sur un coup de tête, il a quitté le groupe. Donc, on a changé radicalement Ah voilà. de style, puisqu'il n'y avait plus David Allen, et on a décidé de créer, donc de continuer cette gonguerie, toujours pour Virgin Records, et d'où le disque Chamal, où j'ai, disons, participé, j'ai plus
signés de composition, et également Steve Hillage était là, et Mike Ouellette, et un pianiste qui était un ami de Pierre Merlaine, parce que Pierre Merlaine, le batteur, était originaire de Strasbourg, et il y avait un pianiste qui s'appelle Patrice Lemoine, qui avait travaillé avec le groupe Alp, de Ribeiro, Catherine Ribeiro, ce groupe s'appelait Alp, voilà. Enfin, Patrice Lemoine, donc, était un pianiste qui est venu travailler avec nous, il y avait Mike Ouellette, Pierre Merlaine et sa compagne Mireille Bauer, qui était de l'époque des percussions de Strasbourg. Voilà, c'était des gens qui savaient très très bien faire la percussion classique, mais Pierre Merlaine était un batteur extraordinaire, techniquement il était vraiment très 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 fort, et bon. Et puis il s'est trouvé donc qu'on a concocté des compositions, on était assez branché sur effectivement Weather Report, hein, c'était voilà, et puis les musiques funk, il y avait un côté pré-funky comme ça dans ces compositions de Chamal. On avait une composition « The Cat in Clark Shoes », des choses comme ça qui était une sorte de prémonition un peu de la musique funk. Et alors, ce qui a fait la réussite de ce disque Chamal, qui n'était quand même pas un disque gong ordinaire, c'est que Nick Mason est venu faire la production. D'accord. Nick Mason, le batteur de Pink Floyd, qui était également producteur, hein, producteur en studio, hein, mm-hmm. est venu, et c'est à la fois un très bon producteur et en même temps un pacificateur, quelqu'un qui reliait un petit peu les différentes idées qu'il y avait dans ce groupe à ce moment-là, qui bien sûr, toujours forcément d'accord, hein, sur les directions du groupe. Mais notamment, moi, j'avais signé un morceau qui s'appelait Bambouji. Oui. Jouer de la flûte bambou, parce que je jouais toujours de la flûte bambou depuis l'Inde, depuis le début. Et ce morceau, Bambouji, retraçait le parcours du soleil depuis le Japon jusqu'à l'Amérique du Sud, en passant par le Moyen-Orient, l'Europe orientale, etc. Et donc, c'était une sorte d'hommage au bambou, on peut dire. Et d'accord. C'était un morceau qui était préfiguré la world music, en fait. D'accord. Et les autres du groupe n'étaient pas tout à fait d'accord. Ils disaient, oh, mais qu'est-ce que tu vas nous faire, là? Alors, ça avait, après des thèmes d'abord extrêmement orientaux, puis orientaux, puis ça finissait en Amérique du Sud, avec des thèmes également de flûte, quoi. Alors, les autres disaient, quoi, qu'est-ce que tu viens de faire? C'est pas du jazz, c'est pas du rock, c'est pas... Voilà, alors, heureusement, Nick Mason a mis ça, également ça. Ça touche, et le morceau a eu une très bonne, très belle carrière. D'accord. Voilà, c'était ça un petit peu l'idée de ma question, c'était de savoir, avec tous ses membres, chacun a une idée différente un petit peu du projet de l'album. Au final, c'est Nick Mason qui mettait tout le monde d'accord pour le choix des morceaux. On peut dire. Il mettait de l'huile dans les rouages. Ok, je comprends. Didier, je trouve que dans un album comme Chamal, quand tu joues du sax ténor, ton son me fait beaucoup penser à un musicien de jazz qui s'appelle Hubert Laws, qui est également flûtiste, et qui, au ténor, dans ces années-là, faisait des albums aussi très influencés funk, un peu à la George Duke. Et je voulais savoir si c'est un musicien que tu écoutais beaucoup, Hubert Laws, à cette époque-là. Oui, en tant que flûtiste, bien sûr. C'était le meilleur flûtiste à l'époque. Il y avait Herbie Mann qui était très connu, qui était un musicien très intéressant aussi. Mais Hubert Laws, c'était techniquement la flûte, le swing, ça c'était le top. C'était vraiment le plus grand flûtiste. Ouais. Oui. En plus, issu d'une fratrie d'ailleurs, parce qu'ils sont deux frères à jouer du jazz. Et c'était les albums d'Hubert Laws dans ces années-là sont marqueurs de leur époque, je trouve, dans le son qu'il a avec le ténor. Je ne connais pas tous, mais je connaissais surtout le travail de Hubert Laws en tant que flûtiste, quoi. Ouais. Ensuite, tu as créé donc le groupe Bloom, où là, c'était un petit peu vouloir se rapprocher de tes premiers amours d'enfance avec Charlie Parker. Oui, alors Bloom, effectivement, quand je suis revenu, parce que j'ai finalement quitté le groupe Gong, là, en 77, je pense, ou 78, je suis revenu en France, et j'avais des compositions, et donc j'ai voulu réunir quelques musiciens pour faire ce groupe qui s'appelait Bloom, avec Nico Nissim, très bon pianiste, et qui a également signé des arrangements, des compositions, Yann Emmerich, qui s'appelle Yann Vague, super
guitariste, compositeur qui travaille beaucoup en ce moment aussi, Jan Vaks, c'est un grand, grand guitariste, vraiment, je respecte beaucoup. Oui, puis tu as travaillé aussi avec Jean-Philippe Riquiel Alors, également. c'est C'est après. après Le ça, premier hein? groupe Bloom, donc, il y avait donc Mikko Nissim, Jan Emmerich Vag, et puis Pete Kimberley à la basse, Winston Berkeley qui jouait aussi de la basse dans d'autres morceaux et qui chantait. Et un batteur, Jano Padovani, que j'avais connu parce qu'il jouait avec Richard Rowe dans ce D'accord. groupe. Et après, voilà, donc on a pas mal tourné, on a fait un disque qui a eu du mal à se faire éditer parce qu'on est allé dans un très bon studio, le studio de Jacques Loussier à Miraval. Voilà. D'accord, Et on a ok. enregistré là, mais ensuite le commanditaire, producteur de ce disque, a fait faillite. Donc, je me suis retrouvé avec cette bande qui n'était pas mixée. Et le disque est finalement sorti chez Sonopresse, Ah, qui était d'accord. une filiale un label de Pathé Marconi. Voilà. Et après, ce groupe, je ne sais plus exactement pour quelle raison, mais enfin, on ne tournait pas beaucoup, ça s'est arrêté. Et il y a eu une deuxième édition de Bloom, très africaine, quoi. Alors, il y avait un batteur, Adjiman Fredwa, qui était un batteur vraiment du Afrobeat, super batteur, et Jean-Philippe Riquel, naturellement, avec qui j'ai fait travailler en duo par la suite, un musicien extraordinaire, hein, qui est un Tout à non-voyant, fait, oui. un musicien de tous les synthés, tout ça, mais qui est vraiment extraordinaire. Et on a fait donc un deuxième groupe Bloom, avec lequel on a tourné, mais on n'a pas fait de disque. Il s'est trouvé qu'on n'a pas fait de disque. Très bien, merci Didier Malherbe. Nous allons mettre une pause pour mettre un terme à cette première partie et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Thank you.